Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 11e épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Pour ma part ça va super, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, la dernière fois on avait fait la quête de Lif et de Birna. Et là on doit retourner à Grantebrut pour savoir qui est le traître, pour dire à Soma qui est le traître, qui elle doit buter, tout ça et tout. Je vous avais laissé en mi-chemin, on va reprendre, j'enchaîne, donc on va reprendre tranquillement. J'aimais parce que tout le long que j'ai pas filmé il y a eu une musique, et là comme je filme il n'y a plus de musique. C'est pas grave, on va reprendre tranquillement, on va se diriger vers la maison longue de Zoma. Et on va faire le nécessaire. Une fois que ça c'est fait, on partira du moment, je pense, du côté de Ravenstorp. Et puis on ira faire un compte-rendu à Randvie. Je sais pas ce que ça va donner. On ira rendre compte, et puis au pire des cas, si vraiment j'ai le niveau, peut-être que j'irai pas faire l'Ancestre en premier, peut-être que j'irai faire la voie du Berserker. Je sais pas si vous connaissez cette quête, je pense que oui. Cette petite quête avec Bjorn et son ours. On verra, on verra, on verra. Alors, est-ce que c'est le magasin? Ouais, on a le magasin, après on ira faire un tour. Eh ben alors monsieur, on baille. Allez hop. Monsieur, on jaillit pour rien, son mal est là-bas. C'est quand tu veux le jeu. Eivor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Woodland. Il reniflait du côté de Durolipont. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon, il se cache où, ton papa? Sacré de païen! Grantebrut est la province du seigneur Wickmund de Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les bergers avec son sang. Non, non! Il est sur l'île d'Eli, l'Elderman Wickmund, au monastère! Je le jure! Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudite demeurée de Danois! Le Seigneur vous chassera de ces terres! Tous! Que Dieu ait pitié! Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Eli. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Galine, il a buté au calme. Alors qu'elle avait dit de pas le buter. Alors, cher Soma. Qu'avait à dire le petit homme de Wigmund? Wigmund est au monastère de l'île d'Eli. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque, mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris? Birna éprouve de l'amour pour toi. Un amour non partagé peut être destructeur. Birna a toujours été imprévisible. Mais c'est une guerrière éprouvée.
Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions. Birna a été contrebandière. Une existence peu honorable. Il y a de l'honneur même chez les plus humbles. Les Danois le savent bien. Leaf en vit ta place et regrette de ne pas s'être porté volontaire pour diriger. Leaf jouit d'un rang élevé dans le clan. C'est un constructeur de navires hors pair et il sait que j'en suis consciente. Leaf critique ta manière de diriger Grand Bridge. La ville est prospère sous nos commandements, notamment en tant que port pour ses navires. Leaf m'a dit qu'on lui avait volé de la peinture jaune. C'est une couleur difficile à produire. Ce vol l'a beaucoup agacé. Galil place ses visions au-dessus de tout. Cela tient de l'exaltation. Les visions sont comme les nuages. Chacun y voit quelque chose de différent. Et Galil y voit un message important. Galil m'a dit qu'il était proche de la mort quand tu l'as découvert et que tu l'as sauvé. Oui, les gens le croyaient maudit. Il dérivait en eau profonde. Mais chacun mérite d'être guidé vers le rivage, n'est-ce pas ? Non, y a rien, ok. Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieux. Ainsi, qui m'a trahi ? Bah, je dirais Galil, hein. C'est Galil qui t'a trahi. Tu en es certain ? J'adore comme le jeu, il te... Oui, vas-y. Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Enfin, moi, dans ma partie perso, j'ai dit Galil. Comme le fait un chef. Famille, mes proches, aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Galil. Tu as osé me trahir, Galil. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes. Je n'ai vu aucune trace de ta destinée. Ce que j'ai vu, c'est la population massacrée, la ville souillée et tes illusions attisant les flammes de la destruction. Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres ? Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort, mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore ? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Eli. Retrouve-nous là-bas. Bon, ben voilà. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour tisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. On va aller de mettre les deux points de compétence. Alors, j'étais parti vers en bas, non ? Ouais. Allez, hop.
Voilà. Et on va se diriger vers la prochaine quête qui se trouve. Ouh là, elle se trouve loin. C'est où? Ah ouais, ça rigole pas, hein. Voilà, par contre, on va se taper. Allez, déjà 10 minutes, donc ça va. En gros, j'ai mis 4 épisodes pour faire Grand The Bridge en entier. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ben, je pense qu'après, on va partir sur l'Edsestre, hein, si j'ai pas le niveau nécessaire. De toute façon, on partira sur l'Edsestre, et ça, il n'y a pas de raison. Soit l'Edsestre, soit la voie du Berserker. Mais ce qui est sûr, c'est que le off, ben, faudra que je le fasse dans mon coin, comme d'habitude. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que enfin, je me rappelle quand j'avais fini Grand Bridge, j'avais niveau 90 dans ma partie perso. Partie perso que je n'ai pas fini, et bien sûr, je connais pas le jeu en entier, je me suis arrêté à Oxenfurter. D'ailleurs, faudrait. Alors. Elle est dégueulasse, c'est tout. Alors, on va rejoindre Soma. Voilà. En plus, pas loin, il y a une fille de l'Aérion. Et hop là. Ce traître est Oelheim maintenant. Oelheim, où il devra répondre des âmes des morts. Soma. Eivor, malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je ne l'oublierai pas. C'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Winwood. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. Alors, trouver tué Wigmoon, il s'est replié au monastère de l'île d'Elie. Alors, c'est parti. Alors très sincèrement, je pense savoir où il est. Voilà, il est là-bas. Il se cache au sommet de la colline. Je le sens d'ici. J'espère que le paysage vous plaît. La foudre m'agite les sangs à Eivor. J'entends les voix de nos morts crier le nom de Wigmund. Il ne sortira pas vivant de ce monastère. Il y en a du monde quand même. Hein. Je ne dois pas être vu. Vite, la capuche. Les vieux chiens crèvent lentement, Wigmund. Tu n'échapperas pas à ton sort. Il va nourrir ses aguets. Faites fermer, il ne meurt plus pour longtemps. Allez hop. Eh hey, mais laisse le jeu, laisse autant le jeu de foiré. Bon alors.
Ok. Donc lui, il est mort. Merci, j'ai vraiment une manette défectueuse. Mais non. Voilà, merci. Voilà. Là, on est d'accord, là, on parle. On va aller de l'autre côté. Logiquement, si je dis pas de conneries, lui, je peux le buter ou pas? Non. Il est planqué, ouais, il est planqué. Ok. Il y a une victime ici. Allez. Arrête de bouger. Voilà. Je me languis aussi de pouvoir changer la tenue d'Ivor. Parce que très honnêtement. Allez hop, ça c'est fait. Ensuite. Je l'ai pas buté. Par contre, toi, je peux te buter. C'est lui là-bas qui m'a vu. Ouais, c'est lui qui m'a vu. Dis-moi, Banga, t'es pas un peu débile sur le bord? Allez hop. Alors, il me reste qui? Ah, j'en ai encore pas mal, hein. Lui, il est là-bas. Eh ben, on va descendre. Tout simplement. Je peux sentir l'effroi de Wigmund dans l'air. J'ai hâte de le tuer, Eivor. Patience, j'attaquerai le moment venu. Eh ouais, je me suis caché dans les buissons. Tu veux que je me cache où? Il y a encore pas mal de monde. Hein. Ah, genre tu montes pas. Hein. Ah, merci. Il y en a du monde. Est-ce que je peux avoir des flèches? Ah, vous êtes un peu trop bien planqué. Alors on va avancer. J'espère que c'est pas trop haut ce que je fais. Voilà. Pas te buter de là. Par contre, je peux me faire cela. Allez, hop.
Allez hop, lui c'est fait là-bas. Ensuite, qu'est-ce que je peux buter? J'ai plus de flèches. Ah bon, c'est qui me voit? Bon, il y en a encore beaucoup? Ou j'ai vidé la zone carrément? Ah, j'ai dû vider la zone quand même. Allez hop, on va sauter. Alors, c'est pas du tout là que je voulais sauter, mais c'est pas grave. Hein. La porte est fermée. Intéressant. Y a pas de flèche ici, j'imagine. Non, y a pas de flèche. Ok, y a pas de flèche. Et là-bas, ils sont terrés dans leur truc. Je pense que j'ai vidé la zone, je pense. Allez hop. Ah, j'ai vidé la zone. Donc maintenant. Bah maintenant on va y aller à deux. Ah non, attends, il y a moyen d'être discret encore. On va continuer d'être discret. Allez hop. Wow. Où est-ce Soma? Soma elle est restée dehors, ok. Ah, peut-être changer l'arc. Parce que l'arc du prédateur c'est pas le plus discret en fait. Hein. Genre je l'ai pas buté. Est-ce sérieux? Ah ok, je l'ai pas buté. Quand toi là-bas, si je peux t'en coller une. Allez hop là. Allez hop là.
Est-ce qu'il peut être assassiné, lui, ou est-ce qu'il faut que je passe par la porte? S'il pouvait bouger, ce serait pas mal, en fait. On va passer par la porte. Un coup de main par ici. Il a rien vu venir. Bon ben voilà, c'est plutôt pas mal. Nous devrions retourner au campement, que je ne me laisse aller et que je rase cet endroit. À l'avenir, je devrais faire attention. On peut rebâtir des maisons, les cultures repoussent, mais il faut du temps pour rétablir la confiance. Et tu as un nouvel ami et allié, Sona. Eivor et son clan. La fin de la tempête est proche. Tu as raison, je le sais. Mais depuis le cœur de la tempête, il est difficile de voir en beau temps. Bon ben voilà. On s'est occupé de Wigmund, on a récupéré Grant Bridge, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va enlever cette capuche. Hop, voilà. Alors, quand je demande d'enlever la capuche, théoriquement on l'enlève. Voilà, merci. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, on a fait encore, on a deux épisodes de 30 minutes, donc à ce niveau-là, ça va, on est tranquille, on a tout fait, on a fini Grant Bridge en 4 épisodes, c'est plutôt pas mal. Allez hop. D'exposer sa traîtrise m'emplissait de terreur. Une
telle trahison est une forme de mort. Galil s'est tué lui-même. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Ah, au fait, Eivor, ta présence me rappelle que... J'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Soma Jarlskonna, tu as ma gratitude. Et il y a autre chose. Pendant que nous préparions l'assaut, Birna est venue me voir. Nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grand Bridge. On verra. Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Idreng. C'est ta lame qui a mené la charge. Et ce fut une vision inoubliable. Nous sommes bien battus. Et Grand Bridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Oh, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme larme dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma... Ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grand Bridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs, avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau ? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça ? Je suis ravi de t'accueillir, Frank. De bien douces paroles. Mes affaires sont déjà prêtes. Bon, et bien voilà. Il semble que le vent me ramène à Randy. Autant lui annoncer la nouvelle. Donc voilà, on a fini cet épisode là, j'espère qu'il vous aura plu, vous savez quoi faire si c'est le cas. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12 d'Assassin's Creed Valhalla. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Warlocks, et salut.